présenter River de Claire Castillon aux éditions Gallimard Jeunesse. Et voici le résumé. La sœur de River, qui est aussi la narratrice, est en seconde. Et sa vie serait parfaite s'il n'y avait pas sa petite sœur River pour lui gâcher la vie. Elle prend trop de place dans sa vie. River ne sait pas se défendre contre ses agresseurs, ne sait pas se faire des amis. Et elle veut se faire des amis, ses agresseurs. Donc forcément, ça va mal tourner. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors déjà, les personnages, ils sont bouleversants. Par exemple, River, qui elle est tellement naïve. Enfin, voilà. L'ambiance, elle est très, très, comment dire, changeante entre les chapitres. Et par exemple, elle peut être pas souvent drôle, hein, mais par contre, elle peut être très triste. Et puis après, avec beaucoup de suspense, voilà. Aussi, le style d'écriture, il est très souple ou bien justement très soutenu. Et par contre, oui, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, on se pose beaucoup de questions. Ça, j'aime bien les livres, on se pose des questions, on peut imaginer un petit peu. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que, en fait, on sait tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas moi, au début, on a une pièce du puzzle, après, au milieu, on a trois pièces du puzzle, et puis à la fin, hop, on nous rajoute 100 pièces du puzzle. Ça, c'est ce que j'ai pas aimé, voilà. Bah, moi, je suis pas d'accord sur ce dernier point, parce que franchement, je trouve qu'on sait tout au fur et à mesure, et c'est justement ce qui fait le charme du livre. Sinon, je l'ai beaucoup aimé et il est bien formé car les personnages, ils sont originaux et on les voit évoluer pendant l'histoire, surtout. Après, le sujet, il n'est pas hyper original par contre. Mais là, la façon dont il l'a abordé, j'ai bien aimé. C'est le harcèlement et le handicap. Et l'autrice s'est trouvé les mots justes pour nous le faire comprendre sans trop abuser. Et aussi, elle a su garder l'attention du lecteur pendant toute l'histoire. Ouais, ça j'ai bien aimé. Nous vous conseillons ce livre. Et on l'a toutes les deux dévoré. Ouais, dévoré, franchement. Et aussi, autre chose, moi si je l'ai vraiment dévoré, c'est parce que Louise, elle m'a dit qu'à la fin c'était génial. Et du coup, j'ai tout de suite voulu savoir la fin, du coup j'ai dévoré les pages en me disant j'attendais la fin, quoi. Et moi aussi, ma sœur me l'avait dit, donc moi aussi, c'était pour ça.